Bernard, comment ça va? Bonjour Jean-Claude, comment ça va? Vous avec les lunettes là? Non, en fait, le gap la pique à moi, donc m'obliger médecin. Ah aussi ça ravage le gap. Mais c'est une lunette de vie, hein. Une lunette de vie alors? Une lunette de vie solaire. Une lunette de vie un peu intéressante aussi, hein. Un petit peu intéressant. Un petit peu, ben. Mais qu'est-ce que tu as fait avec ça là? Ben, on a fait un petit jus d'orange. Non, jus de tamarin avec 15 oranges dedans. Avec 15 oranges dedans, hein. Ouais, on va goûter ensemble. C'est bon, ben. Ouais, ben. Santé, tout le monde de la Réunion, un petit bonjour. On n'a pas besoin de dire avec modération ou sans modération. Ouais, ça c'est sans alcool ça. C'est un jus, hein. C'est un jus. Là-dedans. On va mettre un petit peu de sucre aussi à la fin. Ouais. Hein? Et voilà. Avec du Schweppes ou de l'eau là? Du Schweppes. Schweppes dedans. D'accord. Hein? Et couper un petit peu d'eau parce que le Schweppes là est permis. Ah ouais. On ne coupe pas rien qu'un petit peu de l'eau, bien un petit goût juste. Voilà. Bon? Ben les bon alors. Bon ben ok alors, nous ça commence à cuisiner dans un instant. Allez, salut. Parce que Micro, nous on a du poisson, mais on a un coq que Daniel est en train de préparer l'autre côté là-bas. Ah. Hein? Et puis après nous on aura la famille Adam aujourd'hui. Oui. Nous on aura un camarade à nous, il s'appelle Stéphane. Et après nous on aura le prévu, mais bon, après tant qu'à pourquoi arriver, nous connaît pas trop aussi. Le groupe, tout ça, nous ça va. Voilà, et avec un son leader, solidaire. Frédéric Joron. Voilà, Un petit big up à toute bande de monde qui a 6 autres cales, qui a 15 autres retraites tranquille. Un vieux monde, un petit gap de toutes les vieux de la Réunion, mais dans le monde entier. Hein? On va dire les vieux. Troisième âge. Voilà, d'accord. Les meilleurs que les vieux. Les meilleurs que les vieux. Et en plus, petit gars, il boit un petit coup de jus comme ça, en regardant qu'il y a un Austral. Un petit santé à toutes. Mais bon, c'est bon? Ok, alors, Bernard. Allez, tout à l'heure. Allez, qu'est-ce que vous faites avec des canards comme ça? Ben ça pour parler, tu canards fumé. Canard fumé? Voilà. Ah ouais, ben ça c'est canard, on l'a fumé même ou ça? Ça a fumé hier soir. Hier soir? Jusqu'à 11h, tu as fumé. Ah bon? Hein, Alexia, dis-moi comme ça, ça va mettre sel, poivre, thym. Sel, poivre, thym, ben ça même. Ça même? Hein? Ben. Et où l'a fumé? Il donne quoi? On a un fumoir? On a un fumoir esprit, vous dites? Ah, on a un fumoir esprit, ben. Alors? Il y a des gens qui font d'autres bacs sensibles aussi. Bacs sensibles, plus concentrés, les fumeurs vont bien d'ici. Ouais. Et là, on l'a fumé avec quel zéable là? En fait, ils disent normal là. Ah bon? Ok, un peu de bois sec. Ok, un peu de bois sec alors. Voilà. En tout cas, il est joli, hein? Ben, bien fumé. Bien fumé. Hein, les bons. Et là, comment ça fait cuire ça là? Ben là, Bernard, ça fait cuire ça? Bernard, ça fait cuire ça. Bernard fait cuire. Moi, ça fait un bon petit carré poisson. Ah, vous savez, un poisson au citron? Poisson, voilà. C'est quoi ce poisson au citron que ça fait là? C'est un poisson normal. C'est citron, c'est pas un sort citron. Un sort citron. Ah, voilà. Un sort citron. C'est deux la fait différent. Ah bon, c'est pour ça qu'on a dit, moi, ça fait un sort citron. Un sort citron. Quelqu'un qui mette le citron dans le poisson, voilà. Ah non. Bon, ben les bons, ben laisse-moi rentrer avec. Bon, pas de problème. Hein? Et bon, alors, ok. Et là, on s'est accroché tout de suite, on est là. Ah là, ok, tu peux la fumer. Pour les gars qui ont un petit peu à fumer, hein? Voilà. La fumée, là, pas trop, hein? Voilà. Moi, les mouches sont pas ici. Voilà. Ok, alors bon, ben. Canard fumé aujourd'hui. Hein, Nawa, Bernard, comment ça se cuire un instant? L'homme qui l'homme. Et Alexa, bonjour, comment il est? Bonjour, ça va? Et de quoi arrive ou habillé Ali? Ah ben oui, habillé le petit chef de Christophe. Ah, ouais. Le chef. Ben hein? Ouais. Et ben. Je dis comme c'est pas moi qui cuisine. C'est pas vous cuisine alors. Mais depuis la dernière fois aussi, vous cuisinez pas, mais c'est le dernier temps durant cuisine. Oui, puis, ben. Madame, vous arrivez un peu paresse comme là. Vous arrivez un peu paresse. Dis pas trop, parce que là, il t'en a bien. Oui, il y a un instant, il met tout le bouton à l'envers, on va. Mais ça, on dirait pèse, force, mon ventre. Pèse pas trop, les bons. Ben voilà, hein. Allez. Les parties. Bernard, où ça va? Attrape pour de veste, ben. Bernard, j'ai très trappe son veste, lui. Ben. Les bons, là. Eh, montre-moi un petit coucou sur le matériel, là. Ben, c'est mon petit matériel. Qu'on soit là, qui est dans le coffret, là. C'est un coffret, c'est. Un coffret couteau? Ah, et là, on marche tout le coup de matériel comme ça. Oui, quand il s'est cuisiné, ça lance en moi, ça, il sort pas, ça. Ah bon? Ça, il reste en permanence. D'accord, là, les bons, là. Ok. Ça, pour parler de épices, bonne affaire, tout à fait, les carrés. D'accord, et bon, et puis un bon ouvrier, il faut un bon outil, hein. Exactement. Il y a pas un bon outil comme l'hiver, tu vois. Il y a pas pour prendre plus plaisir quand le couteau il coupe, hein. Exactement. Ou quand le couteau il coupe pas, là où j'y là, quand on cuisine cuisiner, là, hein. Tout le langage il sort. Tout le langage il sort, hein. Sort, ok, alors, allez, bon, allez, nous, ça va.
Et ça, c'est poisson. Ça, c'est quoi? Des petits lapia? Ah, des rougets. Ouais. Hein, des petits lapia rouge. Hein. Lapia rouge. Lapia rouge. Hein. Oui. Ça, c'est élevage, ça? Élevage. Élevage. Hein. Et c'est ça ou ça fait comment? Un petit curry, comment? Curry normal. Curry normal, alors? Normal, créole, créole. D'accord, d'accord. Ouais. Parce que là, à côté aussi, là, on a un autre poisson aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi, on a un bon pain de moon. Il ne mange pas la viande. Donc, ici, un petit poisson. Ça, Toto, il fait ça, là. Hein. Okay. Toto, là, de côté, mais ça va aller un instant. Hein. Ben, c'est bon alors. Et après, là, dit comme ça fait un petit sauce citron. Citron. D'accord. Ouais, ouais. Le sauce citron, ben, piment, on est là. Hein. Ouais, Toto, ouais. Pas tiré de piment. Ben, c'est bon alors, nous peut attaquer un instant, là. Allez. Allez. Ça coupe Ali. Ouais. Mmh. Coupe Ali. Ouais. À combien de temps, tu vois, comme ça, on l'a fait fumer, là? Bon, 4 ans, 5 ans. 4 ans de temps. Et on dirait déjà la chair est cuite déjà. Regarde ça, comment il tourne. Ouais, mais couper là aussi, bien. Hein. Couper bien et tourne aussi. Couper bien et tourne aussi, hein. Ben. Donc voilà, on a Bernard arrivé. Bernard. Ouais. Où marche tout le temps. Ben, il paraît un pilote d'avion, hein. On dirait qu'il y a un mec sur les lunettes noires, là. Non, t'as là où on fait ça. Ou t'as là, il paraît dans le Bollywood, là. Eh, ben, Bollywood. Bonne coupée à Cannes, là. Ah oui, ça même. Comment il appelle encore? Il me rappelle même plus, là. Shahoukan, là. Shahoukan. Ouais, d'accord, ok, Shahoukan. Ah, tu comme ça, on ressemble à Shahoukan, là, comme ça, là. Mais ça, mon frère, ça. Ah bon? Comme ça, là-bas, ouais. Il délit, toi, un film Bollywood ensemble. Ah ouais, tu gagnes plein de pique à Oudjé, gonflé. Et là, il s'est fait la cuisine avec son lunette noire. Ah, ben, mitzvah. Aujourd'hui. Ben, style, là. Ouais. Ben, ouais. Nous avons la cuisine au gant noir, mais maintenant nous avons notre lunette noire. Non, hein? C'est pas une lunette noire, c'est une lunette de vie. Ça. Une lunette de vie, vous finissez votre là. Ben, c'est une lunette de vie, mais en plus, il n'est pas noir. Il n'est pas noir. Non, il est bleu clair. Mais la chair est bonne. Étonne. Et il y a une bonne couche de graisse aussi. Est-ce qu'il est possible ça? Regarde, quelque chose ça fait. Pour voir quoi? Si le zolé. Ah, écoutez. Ah, bon. C'est bon? Pas trop salé. Pas trop salé. Pas de salle du ton là. Ouais. Là, juste. Ouais. C'est bon. On va dire un gros morceau, c'est ça. Hein. Ouais. Ah, non, ça, bon. Bon, ouais. C'est bon. Voilà. Ah. C'est bon. Mais là, plus trop besoin de cuisson, rien, non? Ah, non? Ouais. Là, il. C'est presque cuit dedans. Presque cuit. Ouais. Ouais. Hein. Ça, il y a une pièce qui est cuite dedans. Il y a une affaire ici dedans, pareil. Encore son degré de teint. Ah ouais, son teint, tout le encore dedans. Ah ouais. C'est une affaire bien fumée, ouais. Ouais, 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 il est là. Ben, elle est bon. Donc, ben, là, ça vous coupe allié, puis on va attendre la pour la cuisson, là. Ok, pas de problème. C'est bon, c'est bon. Ok, alors. Surtout que je t'en fais, là. Bon, bonjour, je ne vais pas finir. Moi, je ne prépare pas les épices. Ah, vous préparez les épices, mais waouh, vous préparez les épices. Ben, parce que vous avez un petit carré poisson pour faire l'autre côté là-bas. Hein? Mm-hmm. Ben, quand ça arrive, comme la bande vendredi, premier vendredi du mois, les beaux pédomones ne mangent pas la viande. Et même tous les vendredis, les beaux pédomones ne mangent pas la viande. Ça, c'est une question d'habitude. Mais là, c'est plus mal bas, c'est plus rien. Hein? Les de toutes les religions, ils ne mangent pas la viande le vendredi. Hein? Aujourd'hui, il n'y a pas que mal bas, ils ne mangent pas la viande. Ouais. On m'a fait rencontrer beaucoup de gens. Peut-être qu'ils ne pas la viande, mais il n'est pas forcément malbar. C'est pour une hygiène de vie, non? On va dire qu'à un moment donné, ils arrêtent de manger un peu la viande. Voilà. Parce que nous mangeons trop de viande, nous, là, ces derniers temps. Hein? Enfin, pas ces derniers temps, enfin, toute la population réunionnaise, en tout cas. Hein? Mais la fin d'oublier brûle. Ben, Alexa, a aussi en carême, là? Ah, mais non. Pas en carême, vous? Non. Hein? Mais les gens, le poisson, lui-même, n'y mange pas. Ah, ouais, ben si vous ne mangez pas le poisson, vous mangez donc, là, en carême. La viande. Ouais. Mais c'est difficile, fait carême. Alors Toto, vous connaissez comment ça fait le poisson là? Oui, mais une petite affaire nous, comme nous l'habitude fait. Scarry créole. De toute façon, ça, le meilleur, c'est ça, hein, il dépend la qualité du poisson. Ça c'est un peu comme un thon ou un espadon là. Voilà. Stéphane l'a ramené, donc Stéphane sera là tout à l'heure. Vous connaissez un thon là? Ah ben on peut faire comme on veut, on peut faire tata, on peut faire masalé. Ouais, tata quand il est bien frais, hein. On peut faire créole. Comme on veut. Là où quoi, ça fait un masalé ou créole? Je ne sais pas. Regardez le poisson c'est quoi. Ouah après. Ben, un petit masalé doit pas mauvais, hein? Ben, un petit masalé pas mauvais, hein? Ouais, parce que l'autre côté, il y a le canard. Mais il connaît pas aussi le canard, là, comment bien, hein? Ça fait ça, moi. Il a pas dit comment il s'en fait. Il fait la façon bien, hein? Ah, la façon bien, hein? Parce que bien, aussi, des fois, il connaît pas, lui. C'est quand il arrive dans ma amie, là, il connaît quelles épices tu rajoutes dedans. Hein? Ben, essaye comme ça, ici, chez Canal Austral. Hein? Ben, il connaît pas quand il commence, il connaît pas quand il finit. Et il connaît aussi comment ça manger, mais à quelle sauce ça manger, il connaît pas. Hein? Mais quelle sauce ça manger. Canal Austral, toujours nous invente, nous improvise. Et voilà. Ben, les bons, là. Voilà. Okay. Après, on a profité de l'occasion, on a beaucoup de gens, ils trouvent à nous dans le chemin, ils parlent à nous, Canal Austral, c'est amoureux de Canal Austral, ils regardent ça.
mais au bizat non, ben me faites toujours les coucou pour ça. Pour les gens la trouve mal, dire ouais, ben faites coucou pour ça. Mais voilà. Faites coucou pour ça, mais retiens pas ça non. Ben bon, mais après faut dire tout le monde aussi que maintenant Canal Austral est aussi sur Orange. Voilà. Hein, la chaîne 396. Nous un petit peu vieux, un petit peu loin, hein, mais 396. Mais après nous allons venir un peu plus dans les chaînes les plus proches, les numéros les plus proches. Mais là 396, tu peux retrouver nous sur Orange pour toute cette population. Alors, au moins 100 000 abonnés de Orange à la Réunion. Mmh. Et donc tu peux retrouver nous aussi maintenant sur mais Orange. Mais quoi, j'ai entendu. Hein? Ouais. J'ai entendu ça. Mais bon, là, ok. Bon, ben, là, ça a fini une bonne épice. Ouais. Alors, on a fini tout là. On a l'ail, on a gingembre. Tu peux mettre un petit bout de gingembre dedans. Ouais, tranquille, là. Suffisant. Ouais. Bon, ben, allez, allons. Plus comme moi. On a là, nana. Un petit peu de sel. Oui. Eh bien, non, un petit peu. Poivre. Un petit peu vermouth nafiandor. Hein. Là, nous, ça fait le fruit d'Alia. Ouais. Ouais. Ça. Ouais. Et pendant que l'autre, il coupe toujours hein, au feu en deux fois là. Hein? Oui. C'est bon. Ah, ok, alors. C'est bon. Dans le bon tout le canard fini dans l'autre. C'est bon. Démagré. Dénagré. Ouais. Mais il faut mettre une fois aussi, non ? Oui. Malgré le canard fumé, il doit être bon, c'est ça ? Ah, oui. Mais... Ça, c'est où la pile à pêche girofle. Ouais. Ben donc, ça fait lire en civet, voilà. Ah, pour le publier, ben, on met le girofle au publier, ben, en civet. D'accord, alors. Ah, le girofle, c'est un beau bes affaires, ça. Ah, ouais. T'as moi un petit coup là, bien, on a un joli brague. T'es. Ça, là, hein? T'as Nicolas le prix? Non, mais quoi, pas le prix? Et Toto, que ça, il a dit. Toto, là, hein, il a cassé l'aiguille, hein. Il a dit comme ça, ben, là, non, un bague, mais il connaît pas le prix. Ben, voilà. Donc, il y a un peu de vermouth dessus, hein? Ça, il y a un peu de bien, ça. Ben, fais-lui un petit coucou. Coucou, Calix. Hein? T'as vu? Toto, il monte, descend. Il y a qu'un petit cosmo sur le côté. Oui, ciao. Bah, tu fais pas le prix, ciao. Ben. Ça, le côté. Voilà, donc, on va mettre poivre dedans, un petit peu de sel encore parce que peut-être qu'il faut y assez de sel. Et après, le girofle que nous avons pilé, là, et du vermouth. Hein. Ouais, voilà. Le vermouth. Là, tout est bon, hein, là, ça fait revenir à l'île. Correct, hein? Ça. Correct. Voilà. Ah, le feu est dans le paquet, là. Donc, là, un instant, ça fait frite à l'île, là. Il ne faut pas mettre de gros feu, tu fais. Arrosez bien, avec un petit peu d'oignon vert, un petit peu de l'huile. Pour nos canards, un petit peu de l'huile. Pour l'huile, ça vient. D'accord. Ça, c'est. Un instant. Un instant. Si ça n'est pas. Un canard fumé ou vermouth. Canard fumé ou vermouth, hein. C'est bon. Surtout quand tu prends un peu de bois. Surtout quand tu prends des trois morceaux de bois, la petite bois, vous mettez là, hein. On va faire avec. C'est ça, nous vient du vert. Ouais. Comme plus de l'ail, l'ail aussi plus sous l'eau, l'ail aussi plus sous l'eau. Technique ça. Plus sous l'eau, là ça fait vite. Ah oui. Il bouge pas les yeux. Ah ouais. Oignon. Oignon. Oignon, oui, faut plus sous l'eau. Mais l'ail ça plus vite. Ah, l'ail commence à faire. Tiens ça avant. Tiens bien avant. Le gars, belle là-bas. Allez, fais comme ça. C'est mon petit. Ouais. Ah. Ouais. Ça, coupe ça, ça faut couper. Hein. On a beaucoup de choses. Bien, hein. Attention, coupe le bois aussi. Ouais. Hein. Là. Faut couper, pas rien, là. Ouais. Là. Mettre d'autres mains. Ouais. Tiens, tu ça. Il faut qu'on ait un gros main maçon, hein, pour nous, hein. Ah. Hein. Là. Quand tu trois coups. Ça pour vous. Après, des fois, il peut avoir. Oui, non, on va pas plus. Ah ouais. On va reprendre après. Ah ouais. On va reprendre après. On va reprendre ça, qu'on va pas finir. Toujours un petit passe-tu sur la main.
Au revoir, frotte. Fini. Fini. Ben ouais. Et peut-être là, il n'y a même pas une minute. Ben oui, t'as plus vite que petit ah, ouais. Ah oui. Ouais. Voilà. Voilà. Malo, comment elle est? Elle est bien ou? Ça va, ça va. Mais où la même où t'es? Pas la même nom kimono. Kimono. Au cas où ça a besoin d'un coup de main. Mais non, ouais. Alphonse, c'est moi besoin d'un coup de main. Oui, donc vous avez besoin de kimono, après, hein? Vous faites le salut d'abord, hein? Non, parce que quand il met kimono, il faut le salut d'abord. Avant le combat. Il met kimono avant. Ah, il met kimono, après, il faut le salut. Hein, les bons, alors, avant de monter sur la tamis. Bon, ouais, voilà, voilà. Hein, là, on monte sur la table. Ça, c'est vite, hein, ça donne ton. Quand t'es jeune. Dans ça, $1,000. $1,000. Il faut deux leviers, là, encore, dans notre levier. Hein, il faut deux leviers. Oui, 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 parce que le levier passé ici. Hein? Ah, il faut trois, non? Parce que là, même dans le levier, attend le tour. Eh bien, hein? Ouais. Dans le levier aussi, attend le tour. Bon. Bon, Malo, on a un peu de tomate pour couper. Oui, oui, pas de problème. Couperet, écoute bien. Hein? Le couperet tente. Eh ben là, tu me tapes dessus. Hein? Ah, ou même à tante, allez. Mais comme quoi, que Malo, même des fois, quand il est vilain, là, hein, il fonctionne bien. Ah, ben, hein, oui. Pas tout ça qui brise de l'or. Oui. Hein? Mais les pas tout ça qui les jolis aussi, il fonctionne bien. Hein? Non, mais des fois, les vilains en bonne santé. Comment? Des fois, les vilains en bonne santé. Les en bonne santé, voilà, 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 voilà. Ah, voilà. Il y a un parti, il fait un petit contrôle. Hein? Carrosserie, le bon, moteur, aussi, le bon. Moteur, est bon. Ah, mais ben, c'est bien alors, c'est bien alors. Hein? Voilà. Et moi, ma partie ce matin. Et m'appelle un cardiologue pour gagner un rendez-vous. D'accord. Nous les en novembre, nous là, hein, novembre 2021. Hein. Mais là, donne-moi un rendez-vous pour. Pour le 22 novembre 2022. Donnez un nom. Ben, moi, je contrôle le 7 novembre 2022. Ben, on rencontre un peu comme là, hein, on a le temps mort. Hein. Ben oui, parce que bonne médecin, là, où un rendez-vous un an plus tard. Ou calcule la maladie là, il y a ton un an. Ben peut-être qu'il faut d'autres cardiologues. Ben oui, ben là il parle de désert médical là. Hein. Il faudra nous dire aussi, toute bonne présidence a été élue ou bien ça est en plein de campagne actuellement là. Hein. Il faudra faire un compte avec ces déserts médicaux là, hein, des médecins, la pu. Hein. Et ben je ne m'en arrive pas à faire médecine, elle est trop longue à dire. Hein. En fait, c'est un peu vocation en personne. Ouais, ouais. Soit il apprend, soit il apprend. Donc il y en a des métiers comme la pille, hein? Médecin, après l'autre c'est prêtre. Mais prêtre là aussi. Ah, Ouri, c'est vrai, la pille trop prête comme elle. Prêtre et contraignant, mais médecin, hein? Et que ça l'a fait? Ah, aussi, tu veux être prêtre un jour? Hein? Ou bien médecin? Médecin. Tu veux être médecin? Le prêtre, c'est mon vrai métier, ça. Bon, non, en tout cas, il faudrait vraiment faire un compte avec ce problème-là. On rencontre ce matin, il téléphone le cardiologue pour prendre un rendez-vous. Hein. Elle a dit, moi, non, monsieur Coinet, un peu dans la houle, rendez-vous le 22 novembre 2022. Ben là, elle a fait toujours un petit peu de sport. Ouais. Un petit peu sur la nourriture, on garde un petit peu. Voilà, 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 voilà. C'est bon. Ça, c'est une maladie, les soins noirs, ça, l'AVC, là. Hein. Ça y arrive, il ne prévient pas où de m'aider. Ben, moi, ça m'est gagné. Ben, en fait, m'a vu d'autres personnes qui ben, les traitent. Ah, ouais. Les traitent, pas savoir. Moi, à l'époque, avant mis savoir le cardiologue, moi, je mettais une guitare, moi, je pense que c'était une guitare tout le temps, un cramp là. Ouais, ouais. Ben, je mettais avec tout le temps, on a gagné rendez-vous, donc, et puis voilà. Ouais, ouais, ouais. Si vous voulez malade, vous ne cassez pas. Hein, ouais, donc, ouais, ouais, ouais. C'est quoi l'AVC? C'est quoi l'AVC? L'AVC, c'est toi, l'alphabet. Ben oui. Et après, des fois, ils montent le monde. Après le 3 lettres, il monte le monde. Bon, ben les bons, alors, hein, nous parle plus trop de ça parce qu'il fait peur. Hein. Bon, ben en tout cas, tous les finales, ils me sont faits, hein. Voilà, les bons. Regarde comment il y a ça. On a une nouvelle méthode pour ça ou non? Plusieurs. Les oignons aussi, on fait comme ça? Les oignons, oui, il y a une méthode encore. Il y a des trois cailloux. Les oignons, on a une autre méthode alors. On fait comme ça. Ah, d'accord. Après, comme ça. Après, comme ça aussi. Là, le guide, ça. Le guide, c'est le pouce. Ah, le pouce. Mais là, il ne faut pas le pouce, grâce à tes là. Ça, mon frère. Patrick. Tchic. Ah bon? Encore, Ali, reste son pouce, grâce à tes là? Ali, hein, là, voilà. Allez, monte à où? Pour les épices. Allez, monte à où? Comment ils préparent les épices, alors? Allez, bonne bibiche, on a fait comme ça. Ah ouais. Hein? Voilà, tu as une machine. Hein? Tu as une machine. Et ça, sous le bon couteau, la médina, ça, bon couteau, il coupe bien là, ça, ouais, hein? Ouais, ça, bon couteau, il coupe bien. D'accord, alors. C'est bon.
le temps qu'on prépare des épices ou de bois soit finisé. Pas non, grave, ça. Pas grave ça. Hein. Il y a quelques tâches à l'heure, ça fait quelque chose là. Oui. Hein. Pas besoin de bon peu de feuille. Pas besoin de bon peu. Alors, dès qu'on arrive, on va mettre toute tenue, la mettre où pour nettoyer le poisson. Hein? Ça fait nettoyer tout ça, rien que pour mettre un peu de l'eau dessus. Ben. Hein, ça, c'est quoi? C'est un ton, ça, ou bien un espadon, ça? Demande tout ça. Un tonton, on connaît où ça? Le ton, c'est pas comme ça. Le monde l'a mené, c'est pas. Stéphane. Hein, là, pourquoi arriver? Hein? Pourquoi qu'on dit? Ah, un ton banal, là. Bien poisson même ça, c'est pas le ton ça. C'est un cabot de fond. C'est un cabot de fond ça. Bon. Ben la demande l'intéressée tout à l'heure. Hein, Alexia, vous connaissez bien là. Regardez un coup, ça c'est quelqu'un des poissons. Hein? Si c'est le ton même. Peut-être qu'il faut travailler pour gagner. Le ton même ça là, non? Si c'est le ton. Si c'est le ton. Ben oui, c'est le ton. Bon. Ben, Toto, ça fait un massalé. Ah, ben, ça l'est très bon. Toto, il est vrai? Un massalé? Mais bon, un massalé, le choix. Le poisson, normal, on ne mange pas. Ah bon, le thon mange? Le thon, dorade, l'espadon. Ah, ça, c'est mon poisson. Carang aussi. Mais, bon, mais après, tout ce qui dit petit poisson, le poisson rouge, cardinal, zaron rouge, tout ça, on ne mange pas. Non. Eh, ben, là, si on prépare la table, on fait préparer aux assiettes, là, maintenant. Un beau assiette avec le saumon sur le côté, la tomate là-bas. Et là, ici, c'est l'ail avec gingembre et piment. Non, que l'ail, ça. Que l'ail, pas de gingembre dans là, alors. Hein. Non, dans le canard, ils mettent pas de gingembre. Hein. Non, ça donne poisson plutôt. Hein. Bah, il y en a bien servi aujourd'hui. Ah oui, comment bien son manœuvre aujourd'hui. Bien son manœuvre aujourd'hui. Et là, le canard, il fuit ma mieux. Hein. Ah, les jolis, hein. Ah, les jolis. Non, on est là, Non. Là, ça nettoie bien, donc on lève le sol au milieu là. Hein, c'est ça, pas bon, hein? Ah oui. Ah ouais. Viens là, les frites là. Mets un petit peu de l'eau. Ah, déglace avec un petit peu de l'eau. Hein. Déglace avec un petit peu de l'eau. Après, du coup, on a un coup de manière moins bien. Je viens à l'autre côté là-bas. On a un canard fumé comme ton. Ouais. Bon. Ah oui. Mon patang. Alors, on a un petit peu d'huile et du sel dedans. Hein. Voilà. Ça, donc, carré poisson, ça. Hein. Carré poisson, je ne connais pas encore si c'est du thon ou bien un cabot de four. Hein. Là, je mets un petit peu dedans. Ça nous fait souvent, ça. Hein. Hein. Je vous dis, connais comment il fait carré poisson à la mode de Toto. Hein. Oui. Là-dedans, on a l'ail, la gingembre, les napiments. Et il y a de sel aussi? Non, de sel non. Hein. De sel, tu peux mettre dans le marmite avant. Hein. Hein. Bon, tu fais de l'huile souvent là, Toto. Hein. L'obligé, hein. Ah, mais dans les chocolats. Là, on doit les chocolats tout de suite. Hein. Dans les carrés de poisson, vous savez, il faut mettre de l'huile alors. Hein. Ouais. Après, mon cardiologue, dans mon rendez-vous, rien que dans un an. Mais pas grave. Ça. Mais pas grave. Hein. Mais non, il est en mort. Il me connaît, ben. Hein. Toto, là, tu ne remets pas. Ah, Toto, lui, tomate tout de suite dedans. Et là, ça va. Hein. On a fait. Ce qu'on a fait, ça va bon jusqu'à la base. Hein? Il n'a même pas fait ce matin. Hein? C'est pour ça qu'ils sont bons. Hein? Là, oui. Là où sont les épices? Comprenez. Où sont les épices? Ah, les épices de sont bons. On veut de faire galopiner. C'est bon, non? Ben. Malo, il avance? Oui. Hein. Ah, il est bon. Il faut prendre le temps seulement, hein? Mais non, mais quand le poisson, non, c'est le meilleur pour nettoyer. Ouais. Hein? C'est le nettoyage qui compte. Ah oui. Hein? Parce que si il est mal nettoyé, le goût pas bon, hein? Ah, il fait pas. On ne fait pas. On ne fait pas cuire si on ne veut pas nettoyer. Non. Hein. Là, on peut nettoyer le poisson, soit ou même sinon. Ah oui. Parce que des fois, miwaou, là, on prend le temps, on nettoie le poisson. Ah, l'obligé. Obligé. Il faut y avoir un appel à chien. Ouais. Obligé pour les temps réplés. Ah ouais. Et là, ça, c'est la même sauce pour faire un petit arribichic. Hein. Ouais. Pareil, hein. Ouais. Sauf qu'ils ne mettent pas coton midi dedans. Hein. Bon, tu sais quoi, l'Allemagne y aime. Ben là, il y aime ça. Ben là, Alexia, sur la base, moi, aussi, aime coton midi. Oui, ben l'Allemagne y aime. L'harmonie, est normal qu'elle y mette. Ouais. Et puis ça, tu n'aimes pas. Elle est normal aussi que les critiques. Puis, c'est pas une affaire poutier de moi, là. Ah, bah oui, voilà. Hein.
Avec ça, il paraît que vous mettez côté de l'île dans toutes les affaires. Ah oui. Ah oui, on m'a mis Mataï à toutes les sauces. À toutes les sauces. À toutes les sauces. Et il y est très bon. Après, c'est selon le goût des personnes. Mais le canton midi, il passe très bien avec. Et ben là, la bataille de cause, d'ici où? Tu croyais que Malba, il met coton midi partout. Ben non, et puis, comment, Yab, mais il aime mon coton midi. Moi, si je prends ça, mon cas, je ne comprends pas. Ah bon? Donc, il fait un rougail tomate. Ben, enfin, pas moi, il fait. Hein. Monsieur, il fait. Ben, il met coton midi dedans. Carré poisson. Un petit camaron, un sauce camaron avec coton midi dedans. Il est très, très bon, mais même canard. Et même bichic. Ah oui, ben bichic, il est encore idéal, encore, il est mieux. Ah oui, le goût, il est bien prononcé, il est bon. Il est bon, voilà. Parfois, tu me rends pas la cage, il n'y a pas cotomili. Ah bon? Ah oui, parce que là, nous, on a amené, là, on a amené un petit paquet cotomili. Si, nous l'avons amené, ben ça, c'est pour notre poisson. Pour le poisson. Pour notre poisson. Mais après, comme il dit, la cuisine, c'est quelque chose que on invente. Ouais. Dans toute comment dire, on va dire toute ville, les nations différentes pour faire cuisson manger. Voilà, exactement. Voilà. Hein, donc et puis, pareil caritang. Les couleurs, ils discutent pas. Mais on revient sur un caritang par exemple, à nous par exemple, on va faire civet. Ouais. Ou un carré. Ouais, ouais. Mais les entiers. Oui, d'accord avec moi. Ouais, ouais. Saint-Louis, c'est en miettes de thon. Voilà. Banaï gagnera pas manger un thon si les entiers donnent marmite. Il faut l'écraser. Faut l'écraser, ouais, ouais. Bah, après, il n'est pas au goût de tout le monde. Bien sûr. Donc, ouais, la cuisine, ça s'invente. De l'autre côté, ils mettent pas de tomate dans le carré poulet. Voilà. Ils mettent safran, ils mettent pas de tomate. Mais voilà, bah, c'est une chose que. Ben, il sort de l'ordinaire peut-être. Mais c'est quelque chose de bon. Là, bon. Voilà. Là, bon. Mais le coton midi est très bon. Et m'y conseille le monde de cuisiner avec ça parce que c'est pas que Malba, il utilise ça. Même nous, créoles, nous, il y a notre coton midi. Voilà. Mais ça, on a un petit coup autour de la cour de l'œil. Ah, ben oui, ben la partie de coton midi d'or. Ben voilà, mi pense dans le jardin. Regarde, petit parti voir dans le jardin. Hein, c'est bon? Ok. Fin dedans. Fin la gueule dedans. Fin la gueule de salée aussi dedans. Eh, on a veillé comme un parti voir un coup de non, non, c'était vite fait. En fait, depuis, c'était pour aller dans. C'est dans l'habitude, pas grave, ça même de venir. Pas grave. Et puis, si Domoun, après, il appelle Freedom, il dit comme ça qu'il a fait la cuisine chez Canal Austral, il n'a pas vu comment il fait. Par contre, il peut mettre coton midi dedans, c'est mieux. Ah bon? Là-dedans, oui. Oui. Là-dedans, oui. Mais les bons. Bon, massalé de thon. À cabot de fond. À cabot de fond, là. Maintenant, parce qu'ils ont dit, là, on a fait cuire carré poisson, ils ne connaissent pas lequel poisson il est. Hein? C'est bon? Bon, ben allez, mais là, ça. Oui. On ne peut pas mettre du feuille calopilé. Ah, ouais, il faut me ça. Ah, il faut me ça rendre du feuille calopilé, là. Ça va partir dans le chemin, là-bas, quand ils sont partis dans le jardin. Ben, j'ai mal érodé un instant. Mal érodé. Mal érodé, mal érodé. Mal érodé, où ça va, vous pouvez trouver le livre, là? Jardin, à côté Cresson, hein? On est bon? Ben, monsieur là, comment ça va? Ça va, ça va. Bonjour, ah, où c'est qui? C'est Casanova Diwaro. Casanova Diwaro. Ah, bon. Voilà. À cause de pas au Casanova? Parce que ma maman portait Casanova et j'étais reconnu Waro en 1973. Ah, voilà. Bon, d'accord. Ouais. On va en parler tout à l'heure dans une émission. Voilà. Ben, mais là, comment voilà. Où là? Voilà, j'ai emmené un petit chocolat et puis un petit truc sans alcool pour toi, il est dedans. Ah bon, à cause on fait un petit clin d'œil qu'on dit ça? Parce que. Ah oui, non, parce que vous connaissez qu'on ne boit pas l'alcool. Voilà. Hein? Non, non, il n'y a qu'un petit peu de vin. Oui. Voilà. Puis encore, tu es là, mais à savoir, ben, là-bas, t'as un goûter là-bas. Qu'est-ce que tu as goûté comme ça? Pareil, ma grille de canard. Tu sais faire une affaire en secret ou l'arrivée? Ah ben, à moi qui n'ai pas fait d'affaire en secret, moi. Il n'y a rien là-dedans. Ça, c'est la chair du magret que la fait revenir à là. Hein? Alors? Vous voulez m'y goûter? Ah, goûte à vous. Goûte à vous. Ah non, non, non. Mais les bons à goûter alors. En tout cas, les cuivres. Quand tu fais de cuisson. Non, mais là, pourquoi mettre rien là-dedans hein. Juste un bon. Petit VMO. Ah, bon. Mmh. Bon. Moi, quand tu fais de cuisson, c'est un petit peu dur. Hein. Non, bon. C'est bon. Dommage, ou la vie. Ça, là, moi, il ne faut pas voir ou ça. Vous arrivez arrive toujours le moment comme ça. Ou. Ah bon ouais. À moi, c'est les yeux des téléspectateurs. Alors, on l'a trouvé ouais. Calopilé. Ah, ben bon, ben voilà. Alors. Donc, on est sur le pied. Oui, oui. La pibe au pied de feuille, c'est au pied. Elle est visible. Elle est visible. Mais pas comme là, attends un petit peu. Mettez un dernier où, hein? C'est bon, c'est bon. Ok, alors. Et là, quand l'autre poisson est fini, il va rattaquer le petit rouget. Hein? Ah, regarde ça comme les noirs dedans. Hein? Ça, il faut nettoyer tout ça. Toto, viens voir un petit coup, faut enlever tout ça, là, non? Ah, ben oui, il racaille, ils sortent. Ils sortent bien. Elle m'a pas dit, on met tout tablier moi aujourd'hui quand même. Hein? Alors t'es même pas, t'es fait semblant, on l'a oublié. Ah non. Hein? Plaisir de participer. Regarde là, regarde Toto comment il donne à vous-même, il donne à vous-même là. Hein? Toto, ça c'est comme un petit labia rouge. Hein?
après montrer comment il fait. Vous savez montrer comment il fait? Non, après. Vous faites montrer comment il fait? Et où ça roule, tu vas dire quoi encore là? Coupe ça. Allez, coupe là. Bon, mais mesdames, c'est un beau courage. Hein. Parce que. Ça va tirer ça, toi? Ça va tirer. Une pellicule dessus, il faut tirer peut-être, non? Noir. Pellicule noire là. Hein. Bon. A tout à l'heure alors. Ah, Julie, comment ça va? Ben, ça va très bien. Ça va? Hein. Oui. Ou là, en mode passage ici ou là alors? Il y a ce travail après. Mais non, mais il est toujours là. Il est toujours là. Regarde, ça fait quoi? Alors, c'est quoi? Ça, c'est ressemble à du canard. Non, un tang. C'est tang, ça? Non, canard fumé. Ah bon, c'est ce qui était bien, moi, quand même. D'oignons. Là, c'est un petit canard. Ah, qu'est-ce que c'est là? Un carré. Carré, comme ça, vas-y. On a vu bien aller en mode pilote d'avion aujourd'hui. Ok, mais elle a vu ça, t'es. Ben, elle a pris un charoukan, elle est là, parmi nous. Hein. Charoukan. Un peu de charoukan, salman khan. L'ail avec un petit peu de piment dedans. Non. Non, la piment. La piment de là. Peut-être la vingue. Non, mais un grain dedans. Ma vie de petit affaire bien dedans. Hein. Ouais. Voilà. Hein. Là. Et ils mettent pas ça fondant, non? Ah, ils mettent pas ça. Un petit peu de whisky. Non, non, pas. Vermouth. Voilà. Et là, on attend la lie un petit peu et après, on mélange à l'île. Ouais. Alors, on dirait un CV, mais là, après, on va pour rien. Un petit peu de vermouth seulement. Un vermouth, d'accord. Ouais. Quand on peut vermouth, on peut pas mettre de vin dedans. On peut pas mettre de vin dedans. Hein? Ouais. Se mettre dedans. On peut mettre de vin dedans. Là, mais mettre un petit grain de l'eau pour pas les brûler au fond. Hein. Ouais. Voilà, ok. Voilà la tomate. Autant que tu manges, on parle des ongles hier. Voilà, j'ai pas fait les miens. On va prendre rendez-vous. Thématique Noël. Donc voilà, on va faire les ongles thématique Noël. Ah bon? Ben oui. D'accord, les gars. Tu as de très beaux ongles là, c'est super joli. J'adore. Mais si elle bien, la repousse toute là, ben oui. Magnifique. Et bon, les bons. Bon, mais ça fait la cuisine avec bien là, tout le monde. Ben oui, parce que nous, là où quand il y a tous les ongles, pieds, rouge à lèvres, make-up. Oui, ben voilà. Ben non, c'est bon, y a, là on laisse le tomate cuire un petit peu. Ouais, et après, on tourne à l'île. C'est bon? Et là, on tourne à l'île. Allez, bon, on laisse cuire après. Ben, on va mettre un petit peu de l'eau pour le cuire ou bien? Bah, pas de l'eau. On va mettre un petit peu de sac un peu avant. C'est bon? C'est un peu pour mettre parce que tout le temps nous fait suivre. Ouais. On dit c'est au vermouth. Au vermouth alors. Hein. Bon? Ben, les bon. On va voir le goût comment il est. Nawa, un instant. Chauffez-le, hein. Ça fait ça pour regarder si l'huile est chaud. Ah, on va mettre un client avec un peu de l'eau dedans. Ah, d'accord. Là, ça fait le gage-poisson, là, alors. Le gage-poisson, comme ça. On a fini bien nettoyé, alors. Malo nettoyé ou bien où? Malo. Ah, où nettoyer le poisson, alors? On a fini tout, alors? Hein? On a fini? Allez, bon, on va prendre le temps pour ça. Ben, en fait, j'aime pas trop. Comment on fait? On fait quand on a deux trois poissons, donc ça va, mais après... Les bolos. Hein. Aussi, comment ça va? Hein. Alors aujourd'hui, vous l'aspirez à cuire. Aspirez à cuire, ben, ouais, j'aurais dû m'inviter. Vous l'invitez? Ouais. Hein. Vous l'avez monsieur côté où là? Ah, monsieur Frédéric Juron. Comment ça va? C'est là. On a longtemps que tu veux faire un tour chez nous, sur le canal Austral. Ben moi, tu habites dans le sud, donc là, les plus près, mais ils ne boivent pas non. On l'a délocalisé. Voilà. Voilà, en tout cas, bienvenue, passe à la boue. Ben, elle est tranquille, t'es là? Ouais, tranquille ici. Bienvenue dans l'émission de cuisine, parce que nous, on est dans l'émission de cuisine, là, aujourd'hui, là, avec des carrés de poissons. Et puis après, un canard fumé aussi. Miwa, ça. Mais moi, c'est plus. M'y mange plus que me fait la cuisine. On mange plus que me fait la cuisine, alors. Mais il faut du monde comme ça aussi. Ben voilà. En tout cas, merci beaucoup. Tout à l'heure, on va attendre vous chanter un petit coup. Mais bon. Merci à vous. Ok, allez, à tout à l'heure. Allez. Un petit peu d'affaires vertes dessus. Mais bon. Ok. L'autre côté, il avance. Hein. Là où ça a l'air, vous épices là, vous carré de poisson, là. Deuxième méthode de carré de poisson. Premier, c'est la choco. Là, le deuxième, c'est tout. Hein. Voilà. Et là-dedans, on a l'ail et gingembre dedans. Ouais. Dans la base d'oignon, hein, mais ça, là. Ça donne l'ail, gingembre. Ouais.
De sel aussi. Un petit peu de sel. Oui. Piment. Piment. Voilà. Ça même. Ça même. Ça même. Bah, elle est bon alors. Ok. Elle n'est pas compliqué, non? Ouais, non. Hein? Elle est bon alors. Ok. Bien, what, monsieur, ce petit curry là? Ah oui, hein? Ce petit curry poisson, hein? Qui est bien bon. Il est bien bon, ce curry poisson? Ah oui. Hein? Ah, ça va dire du bien bon. Ah, ben oui, parce que ben non, tant que tu manges pas poisson, mais avec lui, il mange. Hein? Voilà. Et bon, la gueule, il fait aux étranges affaires. Ah oui. Hein? Il y a gagné charme, maman, en fait. Oui, ouais, ouais. Ben, c'est ça. Tu voulais un charme, hein? Ah ben. Mon charme à moi. Mon charme à moi. Charme, mais mon charbon. Bon, on a un besoin de charger un téléphone devant le poêle aussi. iPhone, maintenant, moi. D'autres chargements, après. Il a poêle, il a poêle. Bien, non, il est foutu, hein. Il est foutu, bien, non. Bon, là, pour ça, rajoute les restes. Là, voilà, on a un peu moins d'huile que tout à l'heure. Hein. Voilà, voilà. Bien, il doit rassurer un petit peu. Il a fait mieux. Patrick, là, aujourd'hui, vous arrivez en SPAQ. Là, aujourd'hui, vous pariez là. Vous filmez trop dernièrement. Bon, dans la vie, si vous êtes dernièrement. Là, aujourd'hui, pas grave. Là, aujourd'hui, on dit vous faites pariez. On va attendre un peu. Si lui, ça fait un petit peu. Si lui, ça fait. Ben, est-ce que c'est pas une poisson? Mais bon, alors, et là, c'est donc là. De sel, piment, gingembre, là-dedans, hein? Dedans, voilà. Exactement. Hein? On l'a mis dedans, tranquille. Là, c'est cuit en même temps le oignon. Voilà. La fumée, ouais. Mais waouh! Wow, bien la fumée, là. Déjà, on la chauffe. En plus, il fait chaud. Ouais. Hein? Ah. Oh, le coup de cuillère là, tout le monde fait ça. Ting. Ah, oui. Ça les. Il là. Ting. Ça la routine, ça la routine. Tout le monde fait ça, tout le monde vieux, le temps qui mange. Quand il fait comme ça, là. Ça c'est pour enlever le peu, il reste dans la cuillère. Voilà. c'est ça. Hein, il est bon. Et parfois le coup de bruit ici. Coup de bruit ici, on leur fait ting. Voilà. Passe là, ensuite. Ensuite alors. Voilà. Et là, on rajoute le tomate. Le thym après, alors. Le thym vient après, ça. Le thym après, hein. Voilà. Ouais, il ne pas trop, mais le thym dedans, après, hein. Ouais, ouais. On va les cuire en même temps, les épices. Faut les cuire en même temps, le thym aussi, hein. Voilà, on a du thym. Là, on va t'en aller fondre un petit peu pour les rases après, hein. Il fait un peu de l'eau. Ouais. Pour ouvrir l'eau du bien d'eau. Voilà. Sel. Un petit peu de sel, là, ça rajoute la pile, le sel, non? Ouais, le gros sel, il fait la vie. Ah ouais, donc il ne faut pas qu'il est trop gros, il ne faut pas qu'il est trop fin. Hein, donc on pile un peu le sel. Hein. Voilà. La vie, je dis, il pile de sel. Il a pilé le sel et le résultat est beaucoup mieux comme ça. Ouais, puis le gros sel. Mais le gros sel, il fond aussi dedans. Hein. Bah, bien sûr, non, mais après, peut-être au niveau de la saveur, dans le petit talou, là, il est très bon aussi. C'est ça qui apporte un peu plus de goût. Et comme regarde, sa sauce, c'est de poisson qu'on les gagne. La sauce onctueuse, elle est bien. Exactement comme une sauce de tomate pour faire carré bichic ou. Ah ben, pour un poisson. Un carré camaron aussi, hein. Voilà, t'as regardé un coup là, hein, voilà. Quand je vais faire ma sauce bien volumineuse comme ça, onctueuse, et puis il vient mettre un petit peu de thym dedans, et puis cotomélie, bien sûr, voilà, à la fin. Voilà, voilà. Et c'est là où ça rajoute un petit peu de safran dedans. De safran, hein. Pour la couleur. Là, tu peux mettre, parce que safran, là, il tâche pas trop, lui, hein. C'est un safran pays, ça, hein. Ah bon. Donc, il tâche pas trop, toi, safran pays. Non, mais ça, safran, mon la plante, ça. Et après, ah, il a fait sec, et après, il y a machin. Donc, c'est un safran, c'est attendré. Voilà, c'est un peu léger, donc il faut. Un peu léger, il faut mettre un petit peu plus. Il faut rajouter un petit peu plus. Voilà. Mais le bois, apparemment, quand c'est payé comme ça, la saveur, elle est un peu plus relevée. Voilà, voilà. Ouais. À chaque fois, il dit qu'ici, là, hein, tout le safran que nous consommons, là, hein, et ben c'est un safran qui vient d'ailleurs, hein, parce que sur 100 tonnes de safran que la Réunion consomme, que 20%, c'est-à-dire 20 tonnes, et d'ici. Ouais. Donc ça fait pas beaucoup. Hein. Ça fait pas beaucoup. Voilà. Hein. Voilà. Peu... Alors, Rachel, tu fais de l'eau dedans. Tu fais de l'eau pour faire en sorte qu'il déglace à l'idée. C'est par rapport au feu, il est trop fort, il ne faut pas brûler les épices. Hein. Voilà. Il y a tellement le temps de préparer. Bien sûr. Hein. Moi, des fois, il glace à l'eau au rhum. Ah oui, c'est bon aussi. Oui, mais après, c'est après, vraiment petit, c'est léger comme tu dis. Hein, mais au dégât, c'est un peu avec de l'eau quand même de temps en temps. Oui, mais quand on ne va pas mettre le rhum. Mais le rhum, après, voilà, après, ça va. Ça va, oui, il évapore. Il brûle d'un coup, il chope d'un coup, mais après, il évapore. Il met deux feux dans la case. N'est-ce pas? Il faut ouvrir toutes les fenêtres. Oui, il faut ouvrir toutes les fenêtres après. Voilà. Et gâche le poisson. On coupe un petit peu le poisson en deux ou là alors? Oui, c'est trop gros. C'est trop gros le poisson. Heureusement, on a le couteau, il coupe bien, tout ça. Il marche avec son matériel, il y a. Ah, ben il a raison, regarde comment il coupe bien le couteau là. Un instant, il coupe ça.
Et ça, c'est quoi comme poisson? Ça, c'est la carmo. C'est pas carmo, c'est du rouge, c'est poisson, c'est rouge de rivière. Rouge de rivière, parce que tu m'avais dit carangue tout à l'heure. Et c'est quand même tilapia, mais il est rouge. D'accord. Hein. C'est un tilapia un peu hybride, ça. Ouais, pareillement crabe-coy, là. Hein. C'est joli, c'est un la, la fait des assemblages. Vous voyez, comme le vin, il fait des assemblages, là. Hein. Oui, oui. Elle dit aussi, elle fait un assemblage. Après, il est devenu un peu hybride. Voilà. Et là, on rajoute un lit dedans, comme ça, délicatement, mettre doucement, comme ça. Et là, on voit la différence avec Toto tout à l'heure, qu'elle a fait cuire les siennes. Moi, je pense que chacun a sa façon de faire et le goût de chacun est très bon selon son geste, justement. Voilà. C'est ça qui fait qu'un carré est particulier, allant d'un carré à un autre, hein, tout simplement. Moi aussi, mais il n'y a pas trop de dépôt délicatement. Comme ça, moi. Ah, oula, tout trop de mal. Là, de toute façon, quand il arrive dans la Zulie, les cases, pas là. Hein. Ben. Oh, voilà. Il est dur, lui. Et là, on met un lit comme ça parce que tu as une pire après là. Hein. Ouais, tu as une pire du tout. Hein. Même pas un petit coup. Hein. Là, comme ça, gaitonné. La gaitonné, là, oui. Voilà, ça va. Ouais. Bichic aussi, dès que tu poses dedans, mais tu en as un coq cuillère. Oui, non, toi, tu tournes à la main. Non, mais tu en as un coq cuillère pour que les épices s'y mélangent. Après, tu secoues. Après, tu secoues la main. Après, on secoue. Voilà, voilà. Bien là, comment ça l'a fait? Écoute, PSI. Parce que dans le canard, il n'y a pas contre le midi. Ben non, mais après, c'est facile, ben. C'est facile, ben, avoir critique à moi. Critique. Oh, bah, au mieux, moi, je sois le critique, mais il ne faut pas lui faire de critique à moi. Ben ouais, il ne faut pas vous donner dans le fouet tout le temps. T'as pas où ? Ah, jamais. Hein ? Ah, jamais. Mais attends, c'est quoi le problème ? Chaque année, il est libre de faire à sa façon la cuisine, pas arrêter à un moment donné. Ah, on est d'accord, mais. Moi, je ne fais pas vu. Pour le monde, ma bien, hein. Moi, je fais pour ma bouche, je fais pour moi. Tu ne peux pas mettre ton dans un canard fumé, quand même. Non, après, voilà, mais... Après, voilà. Là, c'est un code. Il hein. Y a des codes, peut-être, voilà. Mais si tu aimes bien, bah, tu attends, le fais. Attends, ça va bien, avec ton CV, là. Hein. Voilà. Hein. Alors, comment on arrive ? Ça va, hein. Tu les manges bien, non ? Non, mais ça manque pas, ça. J'ai dit premier vendredi du bois, mange pas la viande. Comme moi. Hein. C'est un signe ça, parce qu'elle dit on ne mange pas poisson, moi pas manger la viande aujourd'hui. Hein. Comment faut pas manger la viande aujourd'hui. Hein? Donc c'est un signe. Hein. Pourquoi faut pas manger la viande, hein? Ah, parce que premier vendredi du mois. Enfin, l'émission que sera diffusée dans 15 jours sera plus vendredi, premier vendredi du mois. Voilà. En tout cas, les gens vont connaître que nous avons ça le premier vendredi du mois. Là, on dit tout, là. Ben oui, mais pas grave, ce canal austral, il ramasse pas mon thé, a dit. Tu gardes pas de mystère, toi, hein. Non, il ramasse pas mon thé chez nous. Ah bon? Non. Ben moi, j'aime garder ici, nous, les vrais, nous, ici, hein. Voilà, hein. Oui, mais moi, j'aime garder. Ça fait comme nous, on se met dans un petit plat. Ah, juste pour goûter. Ouais. Hein. Voilà. Bon. Voilà le canard fumé au vermouth. Canard fumé au vermouth, hein. Et voilà, attends, on a mis faire une photo aussi en dedans. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ta piment cabri là? Ça met dans le poisson après. Mais dans le poisson piment cabri, hein. Le bon petit piment cabri. Ben moi, je mets aussi du piment cabri quand je fais par exemple un poisson ou des crevettes. Voilà. Le goût est très doux, il relève le goût. Voilà, mais ils ne mettent pas tout de suite, moi, quand... À la fin. Oui. Si tu mets tout de suite, il... Ah ben... Toute l'odeur va aller dans le carré. Mais dans le carré ou derrière. Voilà. Il garde it. Ouais. Il a le truc. Ton maman est bien concentré. Hein. Il est jeune. Il est bien jeune, hein. Il est jeune. Ah oui. Hein. Voilà. C'est ça. Il est bon, pile poil, impeccable. Ben là, on attend à la fin et on rajoute le piment cabri. Voilà. Hein. On va dire moi t'as l'air qu'on rajoute le piment cabri. Bon, pas de problème. Hein, maniwa. Voilà. Mais bon. Allez. La chambre de feu, voilà. Ici et là, parce qu'on va laisser les cuire un petit peu, hein. Voilà, poisson, hein. Moi, c'est bois, là. Vous n'avez pas trop... Vous pas contrôler, un coup les forts, un coup les faibles, un coup les forts, un coup les meilleurs. Voilà. Hein. Mais bon, là, quand on avait point un peu de gaz, avec un peu de bois. Voilà. Avec, hein. Et là, on rajoute toutes les bonnes petites tomates. Piment cabri. Piment cabri. Julie, t'as vu le piment cabri? Viens voir comment elle est jolie. On a du vert, on a du rouge, piment cabri. Est-ce qu'on a du jaune piment cabri? Ah ben là, c'est la sauce qui fait le jaune. Voilà. Julie, vous faites une confidence. Oui, bien sûr, vas-y. Hein? En caméra, je préfère, mais si tu veux. Non, c'est pas grave. Hein. Regarde la couleur qu'il y a autour de nous, sur les murs et tout partout. Oui, c'est tu ça. Vois? Hein, c'est bien jaune, hein. Ah oui. Alors, figure-vous qu'à la fin de l'année, il sera plus jaune. Elle va changer un peu de couleur. Il sera rouge. On aura du rouge. Moi j'aime bien le rouge, ça ah me ouais, va. Hein. Donc du coup, comme il voit des piments rouges comme ça, il fait penser à moi la couleur que bientôt sera dominante ici à Bassin-Labou. Un bon Dieu Carly, bien aussi là, à chaque fois mettre couleur, il faut un bon Dieu Malbar. Hein? Ah oui, mais
Ben, oui, mais moi pas trop, moi. Bien même. Moi, mais le barbare, il y a que dans le physique. Ah, on est bien même. Bien. Et, bon, et là où la bataille est dedans, comme ça, là, et là, on coupe de feu, hein. Baisse un peu le feu. Parce que décolle un peu le poisson. Il ne faut pas que le piment cabri prend le dessus du poisson. Après, voilà. 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 D'accord, mais. Donc, voilà. Julie, un carré de poisson au piment cabri. C'est excellent. C'est excellent. Hein? Ah, moi, en tout cas, je pense que je vais me régaler. Hein. Voilà. Dans un bravo, Sully. Bon, Sully. Bon, okay, on est dans l'atelier de canal austral. C'est pas Sully, alors. Hein? Voilà. Ça va pas gagner ça. Pas gagner ça dans une boîte bonique. Ça dans une boîte sardine. Les bons. J'ai commandé, il y a 200 qui arrivent là, bientôt. D'accord. Hein? Ben, mais bientôt, il faut que 6 mois parce que, tu sais, on commande ça en Chine maintenant. Ah oui. Et le problème avec la Chine, connaît que les conteneurs ont du mal à arriver à la Chine. D'accord. Bon, ben écoute, on verra bien de toute façon. Ça peut-être pas si mal. Moi, je me passerai de la toque. J'aime bien avoir mes propres vêtements à moi. Chaoula, là, il fait la pionte. Hein. Oui. Faut ouais. Bien, hein. Faut bien, hein. Bien sûr. Ouais, dans le canal austral. La poignée seulement, hein. Mais des trois. Un bon attendeur. Ouais. Ça fait une nouvelle technique pour mettre coton midi dans le carré poisson. C'est quoi cette nouvelle technique? Je sais pas, moi. Hein, Bernard qui prépare le café de façon de l'autre côté. Bernard, c'est quoi cette nouvelle technique? Ben, viens voir. Tout. C'est pas moi qui fais ça. Viens voir. Ah, c'est celui qui fait. Ben oui. D'accord. Parce que le carré poisson est bon, là. Mais celui, bah alors, c'est le gros piment, l'a fini. La technique, c'est. Le coton midi, c'est pour le goût. Le goût, l'odeur. Ou le sueur, ça, c'est pas un branche. Les carottes, ça, non? Non. C'est pas un branche coton midi. Non, parce que comme il est, un branche carotte, là, maintenant, ça y carotte, là. Ça, il fait exprès, ça, il trappe, vous mettez comme ça, parce qu'il largue un peu, ou bien il fait un nœud dedans. On fait un nœud dedans. Un bouquet carni, alors. Voilà. Là. Là où l'arbre est dedans, comme ça. Juste dessus, comme ça. Et là qu'on couvre, là, la vapeur, exactement. Tout ça. Mais si un mouni n'aime pas coton midi, comment il fait? Ah non, ben, il va aimer là. Mais il va aimer, il n'y a pas trop le choix. Il n'y a pas trop le choix. Il peut le garder dedans, il voit la pas coton midi. Parce qu'on s'enlève le coton midi à bout là. On enlève le coton midi. Et n'a rien que l'odeur, le goût du coton midi, ça restait. Voilà. Peut-être que tu es sûr. Ouais, super. Peut-être que le piège, ici, il m'a dit, ah, le goût est bon. Il va faire pareil que vous, il m'y va dire où le résultat. Voilà, ouais. Je fais le petit nœud et tout, et puis je mets dedans, après j'enlève à la fin. D'accord. Les bons alors, hein. Bon, ben merci, celui-là, pour la bonne idée. Oublier. Mais j'oublie jamais rien. Non, moi. Parce que vous connaissez quand on a une affaire pour oublier, ou quand on fait un nœud dedans. Mais oublie pas rien, moi. Je garde tout dans mon cœur. Les bons, d'accord. Alors, les bons. Oh, de toute façon, le petit mouchoir aussi, comme il est là, donc il n'est pas fait le nœud dans le mouchoir. La peau de petit mouchoir. Regarde, le dire déjà. Ouais. Le dire déjà, il dégage le dire déjà. Ah ouais, il voit, il a. Un petit peu dedans. Comment on va pas te dire, oh là là, regarde Bernard, c'est lunettes, là, il n'y a pas fini ça. Il est fier de ses lunettes, hein. Effectivement. Alors, c'est bon, c'est fini, on va manger. Ah, mais oui, c'est très bon, là, on va manger. Hein, ouais. Donc, il était temps, hein, c'est ça, on vous dit. Hein. C'est la longue temps. Attendre. Voilà, hein. Il était la diabète, hein, donc du coup, il faut. Ah, je ne suis pas diabétique. Non, c'est Toto qui est diabétique qui a dit comme ça, comme il y a diabétique. Non, mais bien sûr. Mange, bonheur. Voilà, et une petite pensée pour toutes les personnes qui sont diabétiques ou qui souffrent du cœur, etc., qui ont des maladies qui sont un petit peu. Et tous les gens qui font qui ne sont pas faciles à vivre, on va dire. Dialyse. Oui, dialyse et tout. Ben voilà, toutes les personnes qui souffrent. 3 ou 4 heures de dialyse qui nous regardent à la télé. Ben, coucou à toutes ces personnes, un gros bisou et mes souhaits à beaucoup de courage et ben voilà, beaucoup de paix, beaucoup d'amour à toutes ces personnes. Puis aussi ben, les personnes qui souffrent du cœur, etc., qui sont malades. Ben, gros bisou à toutes ces personnes et du fond du cœur, ben, mes souhaits à vraiment un bon rétablissement. Et puis ben, toutes mes prières accompagnent ces personnes-là. Donc voilà, d'accord. Un gros bisou pour toutes ces personnes et une belle pensée pour vous. Merci bien. Allez, à bientôt. Bonne merci bien. Alexia, à bientôt. Ben, monsieur Bédard, merci d'avoir m'invité chez toi. Moi, je suis très très ravi. Je ne savais pas si tu avais un cœur vraiment sur la main. Je te remercie. Juste ça, bon appétit aussi. Hein. Les bons, allez, merci bien. Allez, à aussi alors. Hein. Bon, Richard, salut. Bon appétit. Merci. Hey, bon, nous viens là pour le commencer les émissions de musique. Ouais, avec le groupe Oussanou Sava qui est avec nous aussi là. Hein, on verra dans un petit instant. Ah oui, okay, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. Voilà. Bon, Francis, ils ont pas quoi dire. Ah non, pas comme ça alors.
à cause du plan, les sacs comme ça. Julien, c'est vraiment juste. Julien, c'est avant, il y a que deux riz. Mettez-moi en régime. Allez, mettez-moi en régime. Attends, mais ça va un petit coup, Stéphane. Stéphane, comment ça va? Bonjour. Ça va, hein? Ben oui. Ça va, en tout cas, merci beaucoup pour le poisson. Merci beaucoup. Ah, je t'en prie. Pour tout. Et dans un instant, on va commencer une petite émission. On va parler un petit peu de ton association. Ah, mais ben oui, avec plaisir. En deux mots, ton association. Ben, en deux mots, c'est quoi? C'est ce que nous transpire nous-mêmes et nous la structure, nous la créons l'association. Mmh. Et il n'est pas venu tout seul, c'est pour présenter l'association. Et j'ai un invité que tu accueilles aussi aujourd'hui, merci. Ouais. Frédéric Jouron, l'ex-leader de Oussa Nous Ça Va. Et dans le plus ample détail, tout à l'heure, nous en discute. Hein. Voilà. Okay, merci okay, en tout okay. cas pour le, l'accueil. Merci beaucoup. Merci. Hein, merci beaucoup. Bon, ok. Allez, nous retrouve prochaine fois. Hein. Bisous, bisous. Bye bye à tous et encore bon appétit. Et gros bisous à toutes et à très bientôt. Voilà.